nouveau haul mode. Vous savez que j'aime particulièrement ce genre de vidéos, donc je suis ravie de vous les tourner à chaque fois. Avant de commencer, je voulais simplement vous indiquer que le dernier haul mode se trouve sur mon compte Instagram avec le format IGTV, parce qu'il se trouve que je n'avais pas eu le temps de tourner de haul mode et de faire le montage. Donc si vous souhaitez retrouver mes derniers achats, vous pouvez les voir sur mon compte Instagram. J'ai beaucoup de choses à vous présenter, un sac, des vêtements Bâche, Zara, éponyme création. Je vais également vous parler de bijoux et un tout petit peu de beauté en fin de vidéo. Et comme j'ai énormément de choses, je vais essayer d'être synthétique pour que la vidéo ne soit pas trop longue non plus pour vous. Donc je vais commencer d'abord avec cette magnifique blouse que j'ai eue en cadeau de Noël. Cadeau d'anniversaire, qui vient de la marque éponyme création. J'adore cette marque, c'est une marque française. La créatrice, qui je crois s'appelle Mélanie, a un goût vraiment inné pour la mode et toutes ses créations sont sublimes. Donc si vous êtes comme moi une amoureuse des vêtements, des belles matières, vous ne pouvez aimer que ces créations. Alors j'ai craqué pour ce modèle. Alors c'est une taille unique. Alors vous allez voir, elle se termine en bas avec un petit cordon qui vous permet comme ça de l'ajuster en fonction de vos souhaits. Regardez le détail de la dentelle sur le devant. Alors ce que vous pouvez faire, c'est l'ouvrir plus ou moins en fonction du décolleté que vous souhaitez donner à la blouse. Et vous avez aussi le rappel de la dentelle que vous retrouvez au niveau des poignets. Elle est véritablement sublime, et également les détails derrière. Tout est bien travaillé. Alors cette robe de chez Zara, j'ai adoré l'imprimer. J'ai trouvé que le décolleté sur le devant était parfait. Elle est bien longue et ce que j'ai vraiment apprécié avec cette imprimée, vous voyez, il y a du noir, de l'orange, du bleu, du blanc, du beige, du marron. Donc ce qui signifie que vous pouvez la porter avec des petites bottines beige par exemple, des petites baskets blanches. Donc c'est vraiment un imprimé qui se marie avec plein de couleurs, hyper pratique à porter. Le tissu est très agréable, on a vraiment l'impression de rien porter du tout. Le décolleté est parfait. Bien entendu, j'ai enlevé l'étiquette. En tout cas, de mon côté, j'ai pris une taille XS. Donc, il faut vraiment ne pas la surtailler. Prenez votre taille habituelle. Voilà, c'est le genre de petite robe hyper pratique pour la vie de tous les jours. Vous pouvez même aller à la mettre pour aller à la plage si vous voulez l'été avec des claquettes. Voilà, je suis très très contente de cet achat. Comme j'avais adoré cet imprimé, j'ai pris également le pantalon chez Zara, qui est un pantalon flair, qui est magnifique. Alors à porter, alors il faudra simplement que j'aille chez la couturière le faire couper un tout petit peu, parce que moi j'aimerais bien le porter avec des claquettes cet été et il est un petit peu trop long pour moi. Si vous faites 1m70, 1m75, c'est parfait. Moi j'ai besoin de faire enlever 5 cm. Alors, il est très agréable, donc il est taille haute. Moi, je ne suis pas spécialement fan des tailles hautes à la base, parce que des fois, je ne suis pas toujours bien dans les tailles hautes. Sauf que là, vous voyez, il y a un élastique derrière, donc on est très très bien. Vous avez aussi des petites poches sur le derrière. Donc, il galbe vraiment bien la silhouette, comme il faut. Donc, en principe, pour les tailles hautes, je prends un 36. Mais là, j'ai pris ma taille habituelle, à savoir un XS. C'était vraiment la taille parfaite, donc prenez vraiment votre taille habituelle parce que vous avez cet élastique derrière. Au niveau du prix, il est à 49,95 €. Ça, c'est le genre de pantalon que vous mettez tout l'été. Alors, si vous aimez, vous pouvez mettre une petite paire de mules compensées. Moi, personnellement, je vais plutôt le porter avec des mules plates, un joli débardeur. C'est le genre de petit pantalon que vous pouvez porter aussi bien la journée que le soir. Le soir, vous l'accessoirisez avec, par exemple, un petit haut en soie un petit peu plus habillé. Ce qui est joli aussi, c'est le porter, par exemple, avec une chemise en jean nouée aussi sur le devant.
ou casser aussi le style avec un petit t-shirt imprimé. Je trouve que le rendu sera vraiment très très sympa. Alors, toujours chez Zara, j'ai pris ensuite cette grande veste en jean bien loose. Alors en fait, je voulais me racheter une veste en jean pour le printemps parce que c'est toujours bien pratique. Et je n'aime plus les vestes en jean qui sont courtes. Je préfère vraiment les vestes un petit peu loose, longues, qui tombent bien en dessous des fesses. Celle-ci est parfaite. Alors au niveau du prix, elle est à 29 euros. Alors je pense qu'il y a eu un problème au niveau de l'étiquette chez Zara, parce que j'ai essayé en magasin le S et le XS. En magasin, le XS était plus grand que le S, donc du coup j'ai pris la taille S, mais je pense qu'il y a dû avoir un problème d'étiquette. Donc je vous conseille, moi, de prendre vraiment votre taille habituelle, parce que là, vous voyez, la veste est vraiment bien loose déjà à la base, donc pas besoin de la surtailler. C'est le genre de blouse, je suis obsédée par les blouses. C'est le genre de blouson qui va avec tout. Vous pouvez le mettre avec un pantalon cuir, vous pouvez mettre ça avec une jupe longue. Avec un pantalon chino par exemple, voilà, moi j'adore ce style. Je trouve que le bleu aussi est très beau. Alors bon, voilà, je suis vraiment très contente de cet achat. Et bon, du coup moi je l'ai pris en S, mais je pense qu'un XS aurait été largement suffisant. Donc vraiment, prenez votre taille habituelle, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, j'aime bien me répéter en fait. Je passe à cette blouse. Hier, je l'ai essayée à la maison. Je l'aimais tellement que j'avais envie de vous en parler sur Instagram. Et je me suis dit, non, je garde the surprise. Donc là, elle est parfaite. J'adore l'imprimer. Alors, vous voyez, vous avez le petit imprimé au niveau du col, que vous retrouvez également à ce niveau-là et également au niveau des poches. Elle se resserre à ce niveau-là. Vous pouvez également la ceinturer si vous le souhaitez. Et vous voyez, le détail aussi de l'imprimé se retrouve en bas. C'est 90% de coton, donc hyper agréable à porter. Voilà, ça c'est vraiment la petite combi parfaite. Je l'ai essayé avec des baskets, des bottines, avec des mules. Donc je suis ravie. J'ai pris ma taille habituelle, à savoir un XS, et au niveau du prix, elle est à 49,95 €. Celle-ci, je ne peux que vous la recommander. À ça aussi, vous pouvez mettre à l'heure actuelle avec un petit perfecto par-dessus, un blouson de jean, elle est parfaite. Donc toujours chez Zara, j'ai pris ce petit pull tout simple qui est très très pratique pour maintenant, même cet été pour des soirées d'été un petit peu fraîches. Il est bien long, exactement comme j'aime, bien loose, donc il ne faut vraiment pas le surtailler, il faut prendre sa taille habituelle. Alors il commence à partir de la taille S. Moi j'aurais préféré avoir un XS. Le décolleté est très joli. Voilà, ça c'est le genre de petit pull passe-partout. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que je l'ai acheté également en couleur. Je suis désolée, pas très bien, il n'est pas repassé du tout, même il est tout plié. Je l'ai pris également dans cette couleur. Je l'ai trouvé vraiment très joli dans cette couleur. Et je l'ai pris également en noir. Je ne vais pas vous le montrer tous portés, parce qu'à partir du moment où vous en avez vu un porté, c'est à peu près, ils sont tous pareils. Voilà, le noir aussi est vraiment très très bien. Au niveau du prix, ils sont à 25,95 €. Bon, alors soyons très clairs, chez Zara, on ne peut pas dire que la qualité des pulls soit toujours extraordinaire. On verra ce que ça donne au niveau du lavage, mais bon, en tout cas, pour maintenant, je trouve que la matière, vous voyez, est vraiment très agréable. Je continue avec ce jean de chez Zara. J'avais hâte de le recevoir dans ma commande. Vous savez que j'aime particulièrement cette forme de jean avec cette découpe au ciseau, qui est extrêmement confortable. La semaine prochaine, j'ai un déplacement, je peux vous dire, qui va partir dans ma valise. Donc pas du tout déchiré, il est semi-taille basse, c'est la forme bootcut. Il est très agréable à porter parce qu'il y a de l'élastane. Donc je l'ai pris en taille 34, il fait 39,95 €. Alors attention, il est 7/8. Moi je fais 1m66. Il est exactement comme sur la photo du mannequin, et je pensais qu'il allait être un petit peu plus long, parce que les mannequins chez Zara font au moins 1m75 ou 1m78.
Donc en fait, il est quand même assez court. Donc c'est vrai que si vous êtes grande, si vous faites plus d'1m70, 1m72, il sera peut-être un petit peu court. Donc il faut l'essayer. De toute manière, vous savez que si vous le commandez sur le site internet, vous pouvez le renvoyer sans aucun problème. Je suis fan de la coupe et je me demande même si je ne vais pas le racheter en double exemplaire. Parce que vous savez que j'ai acheté des jeans chez Zara que j'ai tellement aimé, je les ai rachetés en double exemplaire et je pense que j'ai bien fait. Parce que c'est vrai quand on trouve une taille de jean ou un haut qui vous correspond vraiment, on a tendance à beaucoup les porter. Et moi du coup j'en ai toujours un en réserve. Donc je me demande si je ne vais pas racheter celui-ci en double exemplaire, c'est possible. J'ai vu sur le site, alors c'est une abonnée qui me l'a dit, qui avait exactement le même en bleu. Donc je pense sinon commander le bleu qui est assez clair pour l'été, il faudra que je m'en occupe. Donc je vous montrerai ça sur Instagram. Je passe ensuite à ce jean jupe culotte que j'adore. Alors le seul point négatif c'est qu'il est taille haute. Moi je ne suis pas spécialement fan du taille haute. Ceci dit, quand c'est une forme jupe culotte qui est quand même assez large, je trouve que le fait d'avoir une taille haute, ça allonge la silhouette. Donc c'est pas plus mal qu'il soit taille haute. Donc étant donné que c'est une taille haute, pour ma morphologie, je prends toujours une taille au-dessus de ma taille habituelle. Mais ça, c'est une question vraiment de morphologie. Donc j'ai pris donc un 36. Il est superbe. Regardez la couleur du jean. Il est extrêmement bien coupé. Voilà, j'aime beaucoup la manière dont il se termine en bas. Il est extrêmement agréable à porter. Derrière, vous n'avez pas de poche. Il est la matière est vraiment très agréable. Pour l'été, je pense que ça sera très bien parce que la matière est vraiment très légère. J'avais un autre jean de jupe culotte que j'ai toujours, que j'ai depuis 3 ans de chez Zara, dont je ne me lasse toujours pas. Mais par contre, qui a une découpe au ciseau en bas. Je crois d'ailleurs, je vous l'avais présenté. Je crois que ça devait être mon premier haul mode sur YouTube, je crois, de mémoire. Et je voulais simplement avoir une coupe en bas. Pas avec une découpe au ciseau pour que ça soit un petit peu plus habillé, si j'avais pour aller bosser, voilà, pour que ça soit un peu plus, comment dire, un peu plus habillé entre guillemets. Voilà, que vous dire de plus, voilà, la coupe est parfaite. Voilà, j'ai vraiment un gros coup de cœur. Je trouve que la collection de chez Zara pour l'été est vraiment très très belle cette année. Bon, ceci dit, je dis ça tous les mois, hein, mais elle est vraiment très très belle. Cette combinaison qui vient également de chez Zara, qui est en forme aussi jupe culotte en bas, tout en coton blanche, en matière jean et qui est absolument parfaite. Voilà, j'ai adoré les détails au niveau des épaules. On a un très joli décolleté, je suis en train de me dire que je ne l'ai pas refermé. Bon, de toute manière, vous la verrez porter. Donc on a un très joli décolleté sur le devant. Alors vous avez deux possibilités pour la porter. Soit vous la portez non ceinturée, soit vous mettez une ceinture. Donc moi je mets plutôt une ceinture en raffia pour cet été. Elle se termine en bas. Alors je comprends hein, qu'on puisse ne pas aimer. Hein. Moi personnellement j'adore, mais chacun ses goûts. En forme de jupe culotte également, 7/8. Vous prenez vraiment votre taille habituelle, il ne faut pas la surtailler, donc moi j'ai pris mon XS habituel et elle est au prix de 49,95€. La combinaison quand on ne sait pas quoi mettre le matin, c'est parfait parce que vous êtes toujours quand même habillé. Je trouve que ça c'est le genre de petite combi aussi qu'on peut porter aussi bien la journée que le soir. Le soir, vous l'accessoirisez avec des jolis petits bijoux, une petite pochette, ça passe très très bien. Alors je passe à Bâche, j'ai pris cette très belle robe, alors j'ai adoré la couleur, pourtant moi je ne porte pas beaucoup de couleurs mais je trouve que l'été quand on est bronzé, le teint donc forcément est plus lumineux et cette couleur fera vraiment ressortir le bronzage. Alors c'est pas vraiment le genre de robe qui me va au niveau de la morphologie, mais je vous avoue que, parce que moi c'est vrai que ce sont plutôt les coupes droites qui me vont bien, mais j'ai trouvé tellement belle que je l'ai quand même prise. Elle est bien longue, elle est vraiment, j'ai du mal à vous la montrer en entier, vous voyez, elle est bien longue, elle est très agréable à porter. La matière, je ne m'en souviens plus, mais alors ce qui est génial, c'est que c'est le genre de robe, vous les mettez à nettoyer, vous n'avez pas besoin de les repasser, quand vous partez avec en voyage,
Pas besoin aussi de donner un petit coup de fer, elles restent toujours parfaites, donc c'est ça qui est bien agréable avec ce type de tissu. Regardez l'imprimé, comme c'est joli. Alors ce que j'ai fait par contre, c'est que comme elle était vraiment très décolletée sur le devant et qu'on passe après sa vie à se retortiller pour être bien, j'ai fait mettre un petit bouton chez la couturière. Voilà, elle est très belle. Donc pour maintenant, à la porter avec des bottines et cet été avec des sandales. Donc le nom du modèle, je vais vous dire ça de suite parce que je ne m'en souviens plus. C'est le modèle Dizzy, donc en couleur rouge. Et j'avais pris avant la jupe et le haut que je vous avais montré cet hiver sur Instagram. Et là je me suis dit, comme j'avais déjà la jupe et le haut dans une autre couleur, j'ai pris la robe avec cet imprimé. Voilà, donc je l'ai pris en taille 0. En général chez Bash je prends toujours une taille 0 pour tout, c'est la taille qui me convient. Alors je passe ensuite au sac The London. Alors l'année dernière je vous avais montré le beige avec écrit Smile en rouge et j'ai tellement aimé ce modèle que je l'ai racheté en noir avec Smile en beige. Donc là on a l'impression que à la caméra que c'est un bleu marine, mais en fait c'est bien un noir. Ça c'est vraiment le genre de petit sac que je trouve tellement pratique dans la vie de tous les jours. On peut les mettre, bon celui-ci est un petit peu petit pour aller à la plage, mais ça en petit panier de ville, je trouve qu'il est vraiment parfait. Alors ça c'est vraiment le sac The London. Malheureusement on trouve maintenant pas mal de copies sur internet. Personnellement je n'achèterai pas de copies sur internet parce que quand quelqu'un a une idée, je trouve que c'est pas bien de copier et de... Alors on peut pas dire que ce sont des aspirations parce que c'est vraiment... Les personnes en fait utilisent le même tissage et copient même les smiles ou les amours, etc. que vous pouvez retrouver sur les Jackson London. Et voilà, la qualité est parfaite puisque j'ai le beige depuis l'année dernière qui n'a pas bougé et pourtant j'ai mis beaucoup de choses à l'intérieur. Souvent je ne ménage pas les sacs. Voilà, celui-ci j'ai pu le porter déjà une fois ou deux, puis bon maintenant il commence à pleuvoir, donc malheureusement je n'ai pas pu encore le remettre. Mais bon, voilà, ça c'est un sac aussi qui va m'accompagner pendant tout l'été. Je voulais vous montrer ces baskets Golden Goose. Bon, vous savez que je suis une grande amoureuse des baskets. C'est le genre de basket que vous pouvez porter aussi bien avec des jupes, des pantalons, des jeans. Enfin, ça va avec tout. Elles sont, comment vous dire, elles sont parfaites. Moi, alors, on va me dire, oui, alors c'est vrai que les Golden Goose, c'est cher. Oui, c'est cher. Sauf que quand vous achetez une paire de baskets Golden Goose, elles traversent les années, elles ne s'abîment pas. Donc moi c'est vrai que je préfère acheter peu de baskets mais qui sont vraiment de belle qualité et qui restent toujours vraiment intactes plutôt que de m'acheter plusieurs petites baskets qui vont s'abîmer au bout de 2-3 mois. Vous verrez d'ailleurs sur le compte Instagram, enfin sur le compte Instagram de Golden Goose, vous pouvez voir la manière dont sont fabriquées les baskets. Donc voilà, j'ai pris ce modèle, j'ai trouvé vraiment magnifique. Alors je passe aux bijoux et à la marque Ouya. Vous savez que c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement. Si vous me suivez sur Instagram ou sur YouTube depuis quelques temps, vous avez pu voir les différents modèles que je vous ai présentés. Alors voilà, je commence avec ce modèle qui est absolument sublime. Regardez le beau travail. Alors, il s'appelle le Spontané. Vous avez de très jolis zigzags avec des contours perlés. Il est en plaqué or 18 carats. Et alors, je voulais vous le montrer avec les autres joncs que j'ai de la marque. Et vous voyez qu'il se marie parfaitement avec d'autres bracelets. Il est superbe, voilà, vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Je vous avais présenté aussi celui-ci la dernière fois. Et celui-ci, je crois que c'est le modèle Intuition, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, que j'ai depuis l'année dernière. Vous voyez, la qualité reste toujours impeccable. Alors, je passe ensuite au modèle, le Mystérieux, que j'ai trouvé vraiment très très beau, avec cet œil ouvert. Je me rapproche pour que vous puissiez mieux le voir. Alors il est ajustable bien entendu, plaqué or 18 carats,
Pareil que pour l'autre bijou, il ne se ternit pas. Vous pouvez le garder avec vous pour la douche. Regardez comme comme le rendu est joli avec le bracelet manchette. Là, vous le verrez mieux. Donc pareil, il ne ternit pas, il est poinçonné, il est garanti un an. Et donc ce modèle se décline aussi en bagues, bijoux et colliers de mémoire. Et c'est fin, ça va avec tout, c'est vraiment très très beau. Pour terminer, je voulais donc vous présenter ce dernier collier qui s'appelle de mémoire l'insulaire. Alors vous voyez cette forme en forme de coquillage de conque, pour l'été c'est vraiment ravissant. Et alors ce que j'aime tout particulièrement aussi, c'est que la chaîne est vraiment très belle. Et vous la retrouvez en fait, cette forme de chaîne, sur plusieurs bijoux de la marque, ce qui fait que, bon, vous savez, j'aime beaucoup faire des accumulations de colliers, et sur la marque comme ça vous pouvez faire plusieurs accumulations avec la même forme de chaîne, ce qui fait que c'est vraiment très très joli. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de vous présenter ces bijoux, et je voulais également, enfin je sais que je vous ai déjà présenté sur Instagram, mais je voulais vous les représenter aujourd'hui sur YouTube, parce que je sais que tout le monde n'a pas Instagram. Voilà, je suis vraiment fan de cette marque, et pour moi c'est un vrai bonheur de vous les présenter à chaque fois. Et donc je vous mettrai en dessous le code promo de moins 20% pour ces bijoux. Et une dernière chose, je voulais simplement vous préciser que si vous ne connaissez pas cette marque, lorsque vous faites un achat, vous avez une partie qui est reversée pour des associations. Donc ça fait toujours plaisir de le faire. Alors ensuite, pour terminer, j'ai reçu 3 produits de Optolis. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pu commander sur le site. Je voulais essayer 2 sérums et je ne suis pas vraiment fan de ce que j'ai reçu. Alors le premier sérum donc, que j'ai reçu gratuitement de la marque via Optoli, hein, c'est la phrase que je dois dire à chaque fois. Donc c'est la marque bio. Alors c'est une marque bio, Santella. Alors j'étais vraiment contente en fait de commander ce sérum, parce que c'est vrai quand c'est bio et quand les produits ont une bonne composition, ça fait toujours plaisir, parce que maintenant c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de plus en plus, même si j'avoue que j'ai encore de grosses lacunes parce que j'ai beaucoup de progrès à faire en la matière. Mais donc j'étais contente d'essayer ce sérum. Alors c'est un sérum qui est censé être anti-âge, hydratant, et qui va vous donner un coup d'éclat. Alors il y a 2 choses qui ne m'ont pas plu dans ce sérum. La première chose pour moi ce qui fait que je ne peux pas l'utiliser, c'est l'odeur. Il y a une espèce d'odeur indéfinissable, mais qui moi ne me convient pas. Je sens cette odeur sur ma peau, et du coup ça m'indispose. Alors la deuxième chose que je n'ai pas aimée dans ce produit, c'est la texture eau. Moi c'est vrai que c'est pas une texture dont je suis spécialement fan. Alors à la limite le matin oui, mais pas le soir, parce que le soir j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus nourrissant. Alors mis à part ça, je pense que ça doit être un bon sérum. Moi personnellement j'ai pas réussi à passer le cap de l'odeur, c'était pas un moment de plaisir, si vous voulez. Alors que pour moi le soir, quand je me démaquille, quand je mets mes crèmes, c'est vraiment un moment de détente où voilà, je passe un bon moment dans la salle de bain, et là j'avais pas de plaisir à l'appliquer. Alors par contre, en revanche, c'est vrai que je l'ai appliqué pendant 3-4 jours, et c'est vrai que le matin quand je me réveillais, j'avais une jolie peau, elle était éclatante, elle était nette. Donc c'était, je pense que ça doit vraiment être un bon sérum. Voilà, donc ça c'était le premier dont je voulais vous parler. Alors le deuxième sérum que j'ai reçu, donc j'ai reçu gratuitement aussi, de la marque, c'est le sérum Life Plankton Elixir de chez Biotherm. Alors ce sérum, alors il y a une légère odeur aussi, mais qui est beaucoup moins présente que sur le sérum que je viens de vous présenter. Latex donc qui se présente comme ceci, avec une pipette, il est très agréable au niveau de l'application. Donc voilà, vous avez une petite pipette, et voilà, le sérum va vraiment rentrer dans la peau très facilement. Donc, il est quand même à un prix de 65 €, donc il n'est pas donné. Et il est indiqué que c'est un sérum qui va régénérer votre peau après 8 jours, vous pouvez voir les résultats après 8 jours d'application. Donc moi dans ces cas-là, je suis hyper scolaire. J'attends mes 8 jours d'application, sauf que je n'ai vu strictement aucun changement sur ma peau, qui est toujours pareil. Alors je ne demande pas à ce que ma peau fasse des miracles et que je revienne à mes 20 ans, pas du tout. Mais c'est vrai que dernièrement j'ai utilisé des sérums que je vous ai montrés, et sur lesquels j'ai véritablement eu un coup de cœur. Je vous ai mis dans mon onglet permanent beauté sur Instagram.
Et c'est vrai que là, j'ai pas eu le coup de cœur. J'ai pas eu le coup de cœur au niveau de l'application, j'ai pas eu non plus le coup de cœur au niveau de l'odeur, j'ai pas eu le coup de cœur au niveau de ma peau. Voilà, c'est pas spécialement assez, enfin, c'est pas un sérum honnêtement que je me rachète. Alors, dernier produit par contre là que j'ai vraiment que j'apprécie, que je mets vraiment tous les jours en ce moment, c'est alors que pareil, j'ai reçu Doctolib gratuitement de la marque qui est donc la crème de chez Clarins, la gelée éclat du jour, qui est vraiment très très agréable. Je vais vous montrer la texture à l'intérieur. Je vous montre comment la crème se présente. Donc c'est une gelée hydratante qui atténue les imperfections, qui révèle la bonne mine, qui booste l'éclat de la peau. Elle est matifiante également. Elle est très agréable à mettre. Je vais vous la montrer. Oh, attendez, je vais refermer d'abord. Voilà, je vous montre un petit peu. Vous voyez, elle pénètre instantanément dans la peau. Donc, je trouve que c'est vraiment regardez, vous voyez, il n'y a plus rien. Je trouve que c'est vraiment une très bonne base également de maquillage. Je l'utilise maintenant depuis 10 jours environ. Et je suis ravie. Voilà, pas d'odeur désagréable. C'est vraiment un plaisir de l'appliquer chaque matin. Je crois que le prix est de 28 euros. Et c'est vrai que je vois que ma peau... c'est vrai que cet hiver, je n'ai eu aucun problème de déshydratation. Mais là, je trouve que ma peau est toujours bien hydratée. J'ai aucun problème de sécheresse. Je sais que j'aime beaucoup la marque Clarins. En plus, je trouve qu'au niveau de la composition, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits au point de vue de la marque. Je vous avais présenté déjà pour les... je vous ai fait une vidéo avec idée de cadeau Noël, je vous avais présenté le produit nettoyant du matin dans la même gamme que j'adore, que j'ai utilisé jusqu'au bout. Et là vraiment celle-ci, c'est vraiment une très très bonne crème de jour, je suis ravie. Moi je suis assez difficile au niveau des crèmes de jour comme pour les sérums, donc quand j'aime quelque chose, voilà, je suis vraiment contente de pouvoir vous en parler. C'est une très belle découverte. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vos commentaires comme d'habitude sous la barre d'infos. Dites-moi quel vêtement vous a plu, si vous avez envie de commander des bijoux, si vous avez fait des achats aussi pour vous pour le printemps. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez bien entendu vous abonner à ma chaîne, à mon compte Instagram. Sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.